Le mec du taxi dit « Tu vomis pas dans mon taxi ?» Ce à quoi je réponds « C'est toi, tu vomis pas dans mon taxi ?» J'ai un date avec un monsieur qu'on appellera Luc. C'est un mardi à Lyon, sur une péniche. Je vois tout à coup, au bout de la péniche, mon père en train de rouler une pelle à une meuf qui a clairement 20 ans. Je traverse la péniche tout en me disant « Quel est le plan ?» en même temps. Qu'est-ce que je dis ? Félicitations ou... Ce serait pas Machine qui était avec moi en quatrième. Mon père panique, évidemment, parce qu'il y a vraiment son œil qui se décale et sa langue qui se retire de la bouche de la jeune femme. Donc je suis là « Bonjour !» La meuf qui bossait au bar, elle était à la fac avec moi. Et elle me dit, je viens de voir ce qui s'est passé, je te rince. Donc elle m'envoie votre carré de boule sur votre carré de boule. Je décide qu'il n'y a pas assez d'ambiance. Et donc je vais ouvrir la piste de danse. Tu vois le moment où la fille elle sort avec la fumée là, Étienne. Ben moi, je sors de la pénis. Il y aura beaucoup de péniches et très peu de pénis dans cette histoire. Je cours comme ça en sortant de la péniche. Je finis par pas voir Dima. Je suis inconsciente en bas. Luc arrive, bon clairement à ce moment-là je pense qu'il s'est dit peut-être je la laisse en vrai. Les pompiers arrivent et je me mets à insulter les pompiers. Ils me foutent dans un taxi. Le mec du taxi dit tu vomis pas dans mon taxi. Ce à quoi je réponds c'est toi, tu vomis pas dans mon taxi. Je me réveille le lendemain, je n'ai pas de souvenir en fait depuis 23 heures. J'ouvre mon sac à la recherche d'indices un petit peu quand même à la Bill Gates, pas du tout, Benjamin Gates. Et dedans il y a un cadeau avec marqué bon pot de départ. Clotilde. Alors il semblerait que j'étais plutôt sur un vol de cadeaux de Clotilde qui était venue tranquillement avec ses collègues. Donc Clotilde, si jamais tu nous regardes, désolée, j'ai toujours l'appareil photo qui va dans l'eau et les mots de tes collègues, je n'ai juste plus le câble. Voilà. Alors moi en ce moment je joue mon one woman show qui s'appelle Hymne à la joie. Je pars en tournée un petit peu dans toute la France. Vous pouvez voir les dates sur mon Instagram. Abonne-toi.